Les gars, donc juste avant de commencer cette vidéo, donc je voudrais vous présenter un peu la cabane du carpiste. Donc voilà, qui m'a envoyé, enfin j'ai passé une commande, donc voilà. Donc qui vend les produits ASB Concept Bait, qui vend aussi ses produits. Donc je lui dis un grand merci de m'avoir envoyé un petit cadeau. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Donc voilà. Un site qui vient d'ouvrir, on va envoyer de la force. Donc il y a pas mal de produits qui vont arriver d'après ce qu'il m'a expliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et je pense que ça peut le faire. Donc voilà. Allez, allez tous en bio. La voiture est prête. On prend la route pour 10 jours. Les ficheurs sont encore arrivés au poste. Voilà. On a de quoi pêcher. Donc on va préparer tout le matériel. Les voitures sont là. C'est parti pour un bon moment de préparation. Allez. Je vais me poser, ça fait une demi-heure. Tu as remonté le matériel. Là. Et bim, poisson. Là, il y a les ficheurs, donc là, tu avais peut-être posé une heure. Après beaucoup d'activités sur le poste, premier départ. Donc une belle commune de 13 470 kg. Donc on va remettre ça à l'eau et puis on va essayer d'en refaire une. De combien? 19 19 500. 19 500. On va mettre ça à l'eau puis on va essayer d'en refaire une. Mon résultat de l'après-midi du premier jour. Donc on fait deux poissons. Le premier de Quentin qui le fait, il fait une 16 500 kg. Et puis à 16h30, donc voilà, on avait installé le matos impeccable. Et puis on repose la canne tranquillement. Puis il y a une autre canne qui déroule, cette fois la mienne, et je fais une 19 500 à 18h30. Du coup, c'est pas mal pour un premier jour. Donc voilà, là on va faire la nuit tranquillement. Et puis on vous reprend s'il y a du poisson la nuit. Oui, Fischer, donc là, premier poisson de la nuit. Il doit être minuit. Donc repris sur la même canne que celle que Cyril a fait la 19 500 kg hier soir à 18h. Donc on va remettre ça à l'eau et puis bon, on va essayer de refaire une. Donc là, 1h45 au départ. Donc là, poisson 19 100 kg. On va remettre ça à l'eau, puis on va essayer d'en refaire une. On est sur une canne qui n'avait pas encore déroulé, il n'y a plus qu'une canne à dérouler, et tout le monde a déroulé.
On va mettre ça à l'eau, puis on se tient au courant. Donc voilà les fishers. Il est 2h du matin, une belle carpe de 11-400 qui vient me réveiller. Ça fait plaisir. On va la remettre à l'eau, puis on va essayer d'en retoucher une avant le matin. Le sixième poisson, il doit être 4h, pratiquement 5h. Donc, petit poisson du matin, quoi. On va y reposer ça, puis on va essayer d'en refaire une. Au lever du jour, ce serait plutôt pas mal. Les fishers, donc là, on se retrouve là. On est petit récapitulatif de la première nuit et puis là, de la première journée aussi, parce que là, il est 17h, on est mercredi, 17h. Donc là, cette nuit, on a fait 4 poissons. Alors hier, Cyril vous avait fait un récapitulatif, je crois. On avait fait deux poissons en arrivant, un poisson en plein après-midi, une commune, dans les 13 kilos, et puis après une 19,5, je crois. Et cette nuit, on fait 4 poissons, de là la plus petite, je crois qu'à 12 ou 13, et puis sinon, un poisson de 19. Et là, sinon aujourd'hui, très calme, rien du tout. À part là, à 15h30, mon frère a battu sur corps. Cyril a battu sur corps. Le fisher, donc. Record pour Cyril, en plein après-midi, 21,2 kg. Donc là, on est bien récompensé. On va remettre le poisson à l'eau. Là, les voisins nous ont un peu arrosé, du coup. Et puis, on va remettre ça à l'eau, puis c'est bon. Bien joué. Donc plutôt content, donc on a reposé les cannes. Donc j'essaierai de vous filmer un peu les déposes, tout ça, l'écho, les vues. Parce que vous aurez aussi des plans drone. Où on verra pas mal de poissons quand même en surface. Et là on va. Il est 17h, donc là on va faire le coup du soir et puis entamer la nuit. Et comme d'habitude, on se reprend. S'il y a du poisson. On est fichier, donc allez, premier poisson de la nuit, 23h et des brouettes. Sur la même canne qu'hier qui est partie, en premier. Un poisson de 17,7 kg. On va mettre ça à l'eau, puis impeccable. On est fichier, donc là, cette nuit on a fait un poisson. À 23h30, et sinon on ne prend plus rien. Les temps s'est mis, calmé beaucoup d'un coup. Donc on va les mettre à charger les batteries. Donc bateau, tout ça. Avec ce beau temps. Ça fait faire un petit tour aussi, c'est pas mal. De toute façon, on se tient au courant. S'il y a du poisson dans la journée. Les gars, donc ça y est, la canne j'ai même pas posé sur le rod pod, un poisson sûrement de rempoissonnement ou d'aller des jeunes d'ici, donc on va remettre ça à l'eau et on va essayer de remettre la canne du coup. Un poisson de 13 kilos, donc la gabi doit être 5h-5, donc on va remettre ça à l'eau et on va essayer de reposer la canne. Voilà les fishers, un amour blanc de 13 kg au petit matin, ça fait plaisir. On va remettre la canne à l'eau, puis on va essayer d'en refaire une déroule. Voilà les fishers, donc ça y est, là, deuxième déroule du matin, il doit être 9h30-10h. Poisson de 14 kg, une commune de 14. Donc, on va remettre la canne, et puis on espère en refaire. Donc ça y est, après deux décroches, peut-être par Cyril. Petite touche, à peine 2-3 bips quoi. Je laisse bien partir et il est parti au bout d'un moment. Piqué juste à peine sur la lèvre inférieure. Et on a réussi à le remonter quand même. Un très beau combat fait au bord. Comme toujours avec les amours blancs. Donc on va remettre ça à l'eau pour reposer la canne. Tire, je tire.
Au réveil, il doit être 7h. Petite touche sur ma canne de droite et de gauche. Et là-bas, une colle. Impeccable. Une colle de 9,9 kg. Donc, on va faire une petite photo à l'eau pour en mettre un. Cyril ? Voilà, mon 20,5 kg. Presque doublé. Enfin, presque triplé. Bon, je vais dans le jour des prochains et puis après, en retendant la canne, départ sur celui-là. On va leur mettre à l'eau et on va essayer de refaire. Il bute même pas sa boîtier. Vas-y. Bon. Poisson, bon, bah poisson. 5e, 6e départ de la matinée. Là, ça y est, plus d'amour. Une miroir de 13,5. Donc on va remettre ça à l'eau, on va essayer d'en refaire une. Sur un miroir de 18,50. On est sur les mêmes coups que tout à l'heure. Donc on va remettre ça à l'eau. On va finir de manger puis on va reposer la peine. Voilà les fêcheurs. Donc un petit amour blanc de 18,160 kg qui fait plaisir. Donc on va remettre ça à l'eau puis on va essayer de redérouler. C'est un mangeant de 14,5 kg, juste un bip, même pas de départ, rien du tout. Donc on va mettre ça à l'eau, on va essayer de la refaire, mais pas d'un moment. Un joli tamour blanc vient se mettre au festin aussi. Mon record cette fois-ci, 20,4 kg. Incroyable. On va remettre ça à l'eau puis essayer de refaire du poisson. C'est bon. Donc voilà les fisheurs. Une jolie carpe de 19,3 kg. Magnifique. Avec un beau, OP Juju qui vient d'arriver. Oh et de Tarlouse. Vamos. Oh là, un gardon. Voilà, donc là, tu te déroules, là, quand Coco ils sont là. Coco et Juju ils sont arrivés. Tu te déroules devant eux. Sur la canne qui avait pas déroulé ce matin encore, donc on va remettre ça à l'eau, on va essayer de refaire encore avant que Coco s'installe. Bon allez, Fischer, poisson de 21 kg 150 pour Cyril, avec Julien et Coco qui sont arrivés, pas encore installés. Donc on va remettre ça à l'eau. On vient de décrocher sur un plus gros encore. Et puis nous on va s'installer et puis c'est parti. Donc voilà. Arrivé sur le poste, donc on était avec Quentin tout à l'heure et donc là on va tout décharger, tout installer, on va manger une bonne moule frite et puis la session sera lancée. Voilà pour ce qui est des montages de plombe 90, missiles, clé plomb, un AQ des rigs avec une équilibrée caramel bicolore et pour cette canne pareil avec un anti-tangle German Rig et une maïs Envy.
On verra si ça fait le taf pour ce début de session. Là, je remets le deuxième poisson du doublé, c'est un peu la cour, j'ai pas tout filmé. Deuxième poisson du doublé, deux cannes en même temps. Donc on va remettre ça à l'eau, puis on va reposer les cannes du coup. Une belle commune de 16. Bien battu, qu'elle s'est bien battue. La première. On a combien dedans? Papa! C'est vraiment grand? Je vais la porter, tu veux. Donc voilà les fichiers. Une belle couille. Il y a sa vitée au festa. Première couille pour Cyril. Ma première couille. 7,4 kg. Et du coup attends, là, les vidéos. Attends. Vas-y, en même temps, vas-y. 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 Oh putain. Une belle couille. Ma première couille, ça fait vraiment plaisir. On va la relâcher tout de suite. Oh yes. Déroule, il doit être 16h10, bon, 16h30, je pense, 17h. Donc, déroule, tu vois pareil sur la même canne. Hein. Ça déroule bien. Coco a posé ses cannes. On attend plus Coco maintenant. 10 poissons aujourd'hui. C'est pas trop mal. Cher. Ouais. C'était un bon blanc albinos pour Cyril. Donc, les gars, regardez la beauté du poisson. Après une coille, on peut pas aller mieux. En deux jours, on fait deux coilles, un bon blanc albinos. L'eau 6,250 kg. Thierry vous le représente. Donc on va reposer la canne. Donc, la même canne. Donc. On va remettre ça là-bas sur le spot. Et puis on va essayer de redérouler un petit peu. Les gars, il doit être 20h, premier poisson, on vient de reposer la canne grâce au conseil de Quentin. Donc voilà, premier amour, 13 kg, 600 ou je sais plus combien. Donc voilà, on va reposer la canne et puis let's go. Hein. Les gars, deuxième poisson de la soirée, une belle foulie, gros départ, toujours sur la même canne. On va reposer ça pour la nuit, manger. Et on espère passer une petite nuit. C'est parti. Un long moment d'attente, d'habitude ça démarre un peu plus tôt le matin. On a reposé les cannes ce matin, notre bonheur. Et là on touche le Cyril, touche un poisson de 20,660 kg. On allait reposer les cannes parce qu'on pensait que ça allait pas dérouler plus que ça. On est avec Juju, on était parti à la douche et puis bah Cyril nous appelle qu'il y avait poisson. Donc, moi je suis revenu, Juju il attend là-bas, donc je vais remettre ça puis aller me doucher. Donc moi je prends un départ sur une commune et en même temps Coco déroule. Il a sa première couille au bout de la canne, j'espère qu'il va la remonter. Une couille toute blanche, on l'a vu, donc je vais remettre ça à l'eau puis m'empresser d'aller balancer un seau d'eau dans la gueule à Coco. Thank you.
première déroute de la journée avec Midji. Une magnifique coille blanche prise pareil sur les mêmes billes. Donc on va prendre un bon saut. Et qui dit coille et puis... dit saut. Voilà. Petite release là pour la coille Coco, sa première coille. Donc une coille de 8 kg. Super domaine. T'es content? Vas-y. Voilà les gars. Donc après 2-3 départs, une décroche. Voilà une belle carpe de 13,5 kg. Et toujours au bord de l'île à droite. Donc voilà sur les mêmes billes ASB Concept. Donc on va relâcher ça, on va reposer la canne et en espérant dérouler et qu'elle nous ramène sa grand-mère. Allez. Bon, essaye, vas-y. Vas-y, prends, recule et fais. Un bêtisier. Voilà les gars, une commune monstrueuse, tout droit sortie de la berge de l'îlot. 24 kilos et des brouettes. Et donc voilà, on va prendre un bon saut dans notre gueule, je pense. Allez, et puis c'est parti. Le saut. Go. Donc voilà les gars, comme je vous l'ai présenté juste avant. Grosse commune, 24 kg, prise avec des ASB. Donc un grand merci à Yann au domaine et à Quentin qui m'a aiguillé un peu pour le poste. Donc on va avoir lâché ça, faire une belle photo. Et puis c'est parti. Vas-y, on fait comme ça. Je vais faire le coup comme tout à l'heure. Essaye d'attraper par sa nageoire derrière et pas mettre devant. Elle voit rien. Tu vois, ça va mieux. Oh, laisse. Il aurait jamais pour calmer. Laisse-le. Bon, on y va. Record explosé avec cette super miroir de 31,9 kg. Là, il y a du bébé là. On va se dépêcher et prendre des photos et la remettre à l'autre.
on verra la suite, mais la session elle est plus que réussie. Voilà, grosse déroule là ce soir, toujours sur la même canne, un beau poisson de 17 kg 4 ou 8, je sais plus. Donc voilà, belles écailles, on va reposer ça, on va manger un bon barbecue tous ensemble, après ces magnifiques fiches et cette magnifique journée. C'est parti, let's go. Voilà. Ouais, c'est cher, donc pour une journée un peu plus calme que les autres, j'ai décidé de changer 2-3 trucs hier soir. Et enfin, on fait une déroule de nuit, donc plutôt pas mal. Donc, on va remettre cette canne à l'eau et on va retourner se coucher pour essayer d'en refaire une avant le lever du jour. Allez, Fischer, l'impression ça fait où ? Dans les 17, je crois. La Cyril vient au départ de, il doit être 10h30, il bat son record, 22 kg 660. Donc bah là bah il va prendre son saut dans sa gueule. Deuxième poisson de la matinée. Premier 22 660 pour Cyril et là 19 950. Impeccable. Ouais. Vu qu'on est mouillé, parce... on va aller faire une photo à l'eau pour faire plaisir. Voilà les gars, début d'après-midi, après manger, magnifique poisson de 23 kg 3 mon record miroir. Qui dit record, dit saut. Donc voilà. Voilà les gars, juste avant de manger, toujours sur la même canne, une petite linéaire d'un peu plus de 8 kg. Voilà, ça fait plaisir. Les cocus. On va remettre ça à l'eau tranquillement et reposer la canne pour essayer de refaire du poisson. On attend la petite déroule du matin qui fait plaisir. Corentin et Julien sont encore en train de dormir. Donc il n'y a plus qu'à. Voilà les Fischer, donc deuxième poisson de la matinée. Premier poisson 22 kg pour Cyril et puis celle-là, un poisson de 10 kg 560. Impeccable avec 2-3 belles écailles là, plein milieu. Impeccable. On va mettre ça à l'eau puis on va reposer la canne. Premier fiche depuis hier midi. Après un amour de 22, là une petite carte de 12 kg 5 kg, prise avec les caramels de GSB. Donc voilà, toujours au même spot.
crois qu'on va reposer la canne, il reste 2-3 heures de pêche en espérant toucher encore un ou deux beaux fiches. Et puis on se dit tout à l'heure pour la fin. Voilà les fischeurs. Après presque 3 départs d'affilée, on repose la canne, on ramène le bateau, la canne redéroule, puis une belle folie pour nous accueillir. Ça fait plaisir. On va essayer de reposer la canne sans avoir de départ et puis on va espérer d'en faire une.